nous sommes l'école Saint-Charles d'Oise Valvan. Nous allons vous présenter des photos anciennes, nouvelles et du village de l'école. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jules. Je vais vous présenter une photo de mon école et du couvent Saint-Charles. Maintenant, il y a moins d'arbres dans la cour. Le chemin privé a été asphalté. Avant, c'était un chemin de terre. Le mur entre la cour et la plaine a été détruit. Les parcelles cultivées sont plus grandes. Il y a une dizaine d'années, l'hôpital a été agrandi. Une cuisine professionnelle a été construite. On y prépare les plats pour l'école, l'hôpital, pour les sœurs et pour le CPES. Le parking de l'hôpital a été agrandi. Bonjour, je vais vous présenter des anciennes photos de mon école. Sur cette photo, on voit qu'il n'y a que des garçons. On pense qu'ils reviennent de leur commune parce qu'il y en a avec des gants. Et même qu'ils sont tous habillés de la même façon. Il y en a avec des chemises blanches, avec une cravate, avec un pantalon à short court, avec des chaussettes longues et avec des mocassins. Et aussi, on voit que l'arbre derrière n'est plus là, comme on peut le voir sur la photo là. Et puis, la porte est toujours là et les fenêtres sont toujours là. Bonjour, je m'appelle Théo. Sur cette photo, nous voyons le dortoir où dormaient les filles qui habitaient loin de l'école. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de transport actuels. Chaque chambre était séparée des autres par une paroi en bois. Il n'y avait pas de porte. Dans les années 70, l'internat a fermé. Il n'y avait plus de pensionnaires. Les dortoirs ont été démontés et on y a construit des nouvelles classes. Dans les années 1990, les classes ont remplacé les dortoirs. Avant, les filles dormaient à l'école et maintenant, cela ne se fait plus. Bonjour, je m'appelle Arvila. Je vais vous parler de la sucrerie de Wes. Elle a été fondée en 1865. Par jour, on produisait environ 50 tonnes de sucre. En 1890. Plus tard, elle a produit jusqu'à 2100 tonnes de sucre. Maintenant, la sucrerie de Wes ne produit plus de sucre. C'est la sucrerie de Fontainebleau. À l'heure actuelle, la sucrerie de Wes fabrique du sucre impalpable, du sucre perlé, du sucre coloré. Pour les pâtisseries, ce sucre est fabriqué à partir du sucre sucré de Fontainebleau. Il y a quelques années, les bâtiments anciens de la sucrerie de Wes ont été démolis pour faire place à de nouveaux bâtiments. Bonjour, je m'appelle Alexis et je vais vous présenter l'arrière de l'école. En septembre 1684, cinq religieux se sont installés à Wes avec l'aide de l'abbé Adrien Brézy. Elles s'y établirent pour garder les femmes malades insensées, comme on les appelait, et pour ouvrir la première école. Elle habitait le presbytère prêté par l'abbé Brézy, lui logé dans un appartement du château. La maison devenant trop petite, les sœurs achetèrent la maison qu'elle occupe encore aujourd'hui et qu'elles ont agrandie et améliorée. La chapelle fut commencée en 1850 et terminée en 1855. Les bâtiments sont entourés de hauts murs à l'intérieur desquels on pouvait trouver un immense potager et verger qui apportait une partie de la nourriture aux sœurs et aux malades et aux enfants. La propriété est entourée de champs qui appartiennent au couvent et qui étaient loués aux fermiers. Voilà l'ancienne école des garçons, on l'appelait le Juvénat. Comme vous pouvez le voir, c'était la cour de récréation, au fond. À l'avant, le jardin était aménagé avec des arbres, des parterres, de l'herbe. Maintenant, on y a mis du gravier, tout a disparu. Les espaliers en bambou pour les arbres fruitiers ne sont plus là. Maintenant, l'école est devenue des appartements et la cour de la récréation est devenue le parking. Sur cette photo, on peut voir le bâtiment de l'hôpital. On le reconnaît à la gouttière blanche, la cheminée a été enlevée. Et le préau est cassé. Et aussi,
on peut voir le jardin de l'hôpital. Voilà. Je vais vous présenter une photo de 1911 qui nous montre des diplômés du collège musical d'Anvers. Sur cette photo, nous voyons que les vêtements ont changé. Avant, l'école n'accueillait que les filles. Maintenant, un grillage sépare la cour de récréation de la statue de Marie. Des religieuses sont toujours présentes, mais moins nombreuses aujourd'hui. Il y avait plus d'arbres avant. Nous voyons que les dames ont des robes plus longues, des jupes noires et les chemises blancs. Les sœurs avaient un voile qui couvrait le front et le cou. Les filles avaient des robes foncées assez longues. La place de Wèze n'a pas beaucoup changé. On le voit aux maisons et à la grande porte. Elle a été remplacée par des fenêtres. Par contre, au milieu de la place, on a installé un parterre. Ça permet de ralentir la circulation et d'amener plus de sécurité et un peu plus de décoration. Bonjour, je m'appelle Timéo, je vais vous parler du couvent et de l'école. Voilà notre école Saint-Charles qui se situe à Bruneau. Comme vous pouvez le voir, c'est la cour de l'école. Avant, il y avait 10 arbres, mais maintenant il n'en reste que 3. On pouvait y voir une balançoire. Elle tient à une poutre qui passe d'un arbre à un autre. Actuellement, les bancs ne se trouvent plus là. Il y a maintenant un préau et 2 bancs se trouvent en dessous de celui-ci. Les jeux ont disparu et maintenant on peut jouer au foot. Un peu de modernité est apparu. Des nouvelles fenêtres, des nouvelles portes et des panneaux solaires. Aujourd'hui, la cour est garnie de gravier. Avant, c'était l'école des filles. Maintenant et depuis déjà de longues années, c'est devenu une école mixte. Cette photo a aussi été prise à la place de Wèze, dans l'autre sens. Elle nous montre un défilé de personnes. Ce sont tous des hommes ou des garçons. Ils sont tous en costume et les garçons en shorts. Beaucoup ont un chapeau. Sur cette photo, on voit les rails du tram qui s'arrêtèrent au terminus. Maintenant, c'est un café. Le tram allait de Wèze à Tournai. Avant l'apparition des bus, la maison à l'arrière-plan n'a pas beaucoup changé. On peut voir sur cette photo le couvent qui abrite les sœurs. Le bâtiment n'a pas beaucoup changé, mais actuellement, il y a beaucoup moins de sœurs qu'avant. Le bâtiment à droite, c'était l'école des garçons, le Juvénat. Avec la fermeture de l'internat et les classes mixtes, ce bâtiment a été abandonné et a été aménagé en appartement dans les années 2010. La grille au milieu de la photo a disparu. On peut imaginer que dans le passé, les sœurs la fermaient le soir pour se protéger. C'était certainement l'entrée principale. Actuellement, on passe sur le côté pour entrer dans l'école et les parents, les profs, peuvent se garer à l'avant. Merci de nous avoir écoutés.